lueur sur nos origines. Les différents maillons d'une chaîne d'amour qui, depuis la nuit des temps, nous relie tous les uns aux autres. Puissions-nous prolonger cette chaîne et garder l'espoir du rattachement du dernier de ces maillons à l'amour infini. C'est Arnold van der Heyden, vraisemblablement le plus ancien de nos ancêtres connus. Notre sœur aînée Marie-Madeleine se souvient d'une conversation entre notre grand-mère et notre tante Héloïse en 1924 à Wirth, où elle passait quelques jours de vacances. On va voir plus loin une photo de chacune d'elles prise à cette époque. Cette conversation concernait la présence à Rome de notre tante aux cérémonies de la canonisation de Pierre Canisius, et ce, en raison d'un lien familial avec celui-ci. La famille le vénérait, ce saint. Des images et une gravure sur pierre se trouvaient dans le salon à Wirth. Le hasard n'en finit jamais de nous étonner. Dans une conversation avec Jean-Pierre Huchette, qui s'occupait de généalogie, je lui fis remarquer qu'à la Renaissance, on avait coutume de latiniser les noms propres. Et me rappelant de ce que m'avait dit ma grand-mère au sujet de Canisius, je fis le lien entre le nom néerlandais d'Hont, nom de famille originelle du saint, et sa traduction latine en Canis. Étant donné une invitation à Rome lors de sa canonisation, il me semblait devoir exister un lien entre notre nom de famille et celui de la famille Canis. Mais quel était ce lien? Jean-Pierre remonte à son bureau et revient un moment plus tard avec un document ancien où nous allons trouver la réponse. Cet ouvrage de 1785 ne révèle pas le lien entre les derniers van der Heyden mentionnés et le plus ancien ascendant repris dans les archives de l'état civil de Bois-le-Duc, chef-lieu du Brabant néerlandais. Et nous ne possédons pas les archives de la Gueldre. Martin est le premier ascendant au sujet duquel des documents de famille subsistent. Dans cette lettre, notre grand-mère décrit l'habitation de Martin à Bois-le-Duc. Elle précise ses activités, entrepreneur, fournisseur de l'armée néerlandaise et des Indes, et de l'équipement complet des soldats et de la cavalerie. Elle dit aussi qu'il quitta la Hollande pour s'installer en Belgique après la guerre de 1830. Des pièces d'un procès intenté contre la ville d'Utrecht en vue de récupérer un héritage en faveur de Marie-Catherine Kiewitz, épouse de Martin, sont une source de renseignements précieux. En résumé, une personne fortunée, Jean Doudens, lègue la succession à charge de fidéicommis à l'infini dans la ligne descendante à Guillaume van Bokhoven, son neveu. Une chambre de tutelle de la ville d'Utrecht est chargée de son exécution, conformément à la loi en vigueur à cette époque. En 1852, une loi dissout ces chambres et ordonne la liquidation de ce genre de succession aux ayants droit. Marie-Catherine Kiewitz, seule descendante encore vivante de Guillaume van Bokhoven, réclame en vain à la ville d'Utrecht cet héritage.
Dans la généalogie jointe au dossier, on trouve notamment des renseignements sur des faits historiques, des aventures sur mer, des activités aux Indes néerlandaises, des liens avec des personnes illustres. Martin, âgé de 87 ans, décède à Malines. Son fils Adrien, né à Bois-le-Duc en 1820, épouse à 29 ans à Bruxelles Caroline Évrard, originaire du Brabant wallon. Rentier, homme d'affaires, ses domiciles sont nombreux. À Bruxelles en 1849, à Versailles en 65 d'après un passeport pour l'Allemagne, à Tongres en 85, à La Haye en 87, puis à Bruxelles, rue Prince Royal en 92, rue Souveraine en 94, enfin à Maastricht en 95. Presque tous ces domiciles sont mentionnés dans les documents relatifs à l'héritage revendiqué déjà par son père Martin. Débouté en première instance, Adrien introduit l'action devant la cour d'appel. Aucun document n'apprend l'issue du procès. Son fils Victor représentera la troisième génération, croyant avoir droit à l'héritage laissé par Jean Doudens, héritage dont l'importance explique cette ténacité. Victor, né à Saint-Josten-Laude, commune de Bruxelles, épouse en 1850 Anne Ludgard Kreischer à Mansen, ville située en Belgique près de la frontière allemande. Voici l'habitation des Kreischer, appelée propriété Putz. Après leur mariage, ils habitent à Hombeek-les-Malines, puis à Tongres, à Herstal, à Maastricht, à Weert enfin. Six enfants naissent de leur union. Le plus jeune, ici, c'est Alphonse, notre père. Une autre photo, quelques années plus tard. Alphonse, ici, tout à fait à gauche. Victor est un industriel, un chercheur, un inventeur. Trois brevets d'invention, au moins, lui sont délivrés. Il voyage pour des sociétés industrielles liégeoises en plein essor à cette époque. Ces industries disposent d'hommes compétents, de techniques modernes, de matières premières, de finances et d'une renommée internationale.
Notre grand-père conserve la nationalité hollandaise de crainte de perdre ses droits dans la fameuse succession toujours en litige. Cette généalogie, dite des Van der Heyden, est une pièce du dossier ouvert par son grand-père Martin. Elle établit la descendance des Van Bokhoven et justifie les prétentions actuelles des Van der Heyden. Comme ses deux frères aînés, Alphonse part en Russie pour une société belge. Voici une carte postale de Vladikaukase. Adrien signale qu'Henri, son frère, travaille à Kiev, dans une société de tramway. La carte postée le 30 janvier 1906 arrive à Weert le 19 février. Weert, dans le Limbourg hollandais, est une ville frontalière, toute proche d'une usine liégeoise où Victor est engagé. À l'occasion de sa fête, Alphonse reçoit les témoignages de profonde affection de son père. Dans la seconde partie de la lettre, il expose les nouvelles techniques et machines de son usine et pose ensuite de nombreuses questions sur la production de zinc, de plomb et d'argent dans l'usine de la société à la Guire, je crois, à Vladikaukase, où son fils travaille. Retour en Russie en 1908, après un congé à Weert. Ce nouveau séjour ne durera pas longtemps. Un incendie éclate dans l'usine. Alphonse, gravement brûlé à la jambe, doit être rapatrié. Il ne connaît pas encore celle qui lui est destinée. À Weert, ses parents l'hébergent. Rétabli, il est nommé directeur de l'usine à gaz. Puis, lors d'un pèlerinage à Lourdes, il fait la connaissance de Fleur Caris. Dans le train, tous deux ont l'un pour l'autre des attentions délicates, point de départ de leur vie commune. Fleur Caris est orpheline depuis son enfance. Aussi, c'est chez sa sœur à Fréture, aux environs de Liège, que le mariage est célébré.
Oui. Cette histoire de la ville m'a été proposée par Marie-Madeleine. C'est dans une maison toute proche de ce canal que nos parents eurent leur premier enfant, Marie-Madeleine. Les 6 enfants suivants naissent à Osterhout, pas loin de Bois-le-Duc, où la direction de l'usine à gaz était également confiée à notre père. Denise, Marguerite, Marie-Madeleine, Julien, François, Yolande, Maurice. Et Pierre Caris, frère de Flore, engagé dans l'armée française en 14, et spécialisé dans les travaux de génie. Une parenthèse, cette lettre est témoignage du terrible combat de Verdun dont le souvenir doit être transmis aux générations futures. Dès la guerre terminée, c'est avec Pierre particulièrement compétent qu'Alphonse s'associera pour la reconstruction du nord de la France. Ils s'installeront à Roubaix et rachèteront un stock important de l'armée américaine. Pour des raisons diverses, la société de reconstruction sera dissoute. C'est à Roubaix que naissent Bernard et Thérèse. Et voici la photo de famille, Marie-Madeleine, Denise, Maurice, Marguerite, Yolande, François, Bernard, Julien et Thérèse. Puigneuport. On s'y installe, papa poursuit son métier d'entrepreneur, tant à la côte qu'à Bruxelles. Les promenades en famille sont courantes les jours de congé. Peu avant son décès, bonne maman, Lucarte Kreischer, reçoit à Wirth la famille. Elle nous quittera en août 28, pour rejoindre notre grand-père et 2 de ses enfants. Louis, décédé en 1923, lors d'un pèlerinage à Lourdes, où il est enterré, dans le cimetière de la ville. Puis Héloïse, en 1924. C'est de chez elle que provient ce vitrail. Mais revenons à cette photo de famille pour identifier
les membres présents. Voici bonne maman au centre. Son fils aîné, Adrien. Puis Henri. Mienne, Alphonse. Adrien est présent avec deux de ses enfants, Yvonne et Marcel. Henri et sa femme Olga, puis ses enfants, Irma, Emma, Paul et Henriette. Puis notre papa et notre petite maman Flore, avec Marie-Madeleine, Denise, Maurice, Marguerite, Yolande, Julien, François, Bernard et Thérèse. En 1932, un architecte bénédictin d'Osterholt et Mgr Hélène, évêque de Namur, demande à papa de construire un monastère de bénédictines à Marlagne, près de Namur. On quitte Nieuport pour Namur. Papa, idéaliste et généreux, accepte, sur insistance de Mgr Hélène, non pas de construire immédiatement ce monastère, mais de tenter de redresser la situation matérielle et financière désastreuse dans laquelle étaient plongées les sœurs de Marlagne. Fréquemment, nous passions nos vacances à Wirt, chez notre tante Mienne, ici au bord du lac Leizermann. Marie-Madeleine, Denise, Maurice, Marguerite, Yolande, Julien, François, Bernard, Thérèse. C'est la dernière image de tous nos frères et sœurs réunis. Yolande nous quitte subitement. Elle était aimée de tous et ses compagnes, futures institutrices, lui rendent un hommage particulièrement émouvant. François, tombé malade lors de son service militaire, décède après une longue maladie et quelques jours après avoir offert à notre maman ce chemin de la croix, à ma petite mame, merci de m'avoir conduit au ciel, à bientôt ton petit rat. Et nos parents portent leur croix, ils puisent leur force auprès du Christ et de la Vierge, comme ici papa, équipé pour porter les malades à Lourdes lors d'un pèlerinage annuel qu'il dirigeait depuis le décès de son frère. En 45 et 46, la dernière activité de papa, la recherche et le rapatriement des Belges se trouvant encore en Tchécoslovaquie, mission officielle qui remplit avec tout son dévouement. Quelques photos pleines d'affection, jalons de nos souvenirs. En 1951, la dernière photo de toute la famille à Salzine, faubourg de Namur. René, Bernard, Monique, Christine et Béatrice. Simone, Maurice, Jacques, Marie-France, Nicole, Patrick, Maggie, Julien, Françoise, Alain et Brigitte, Denise,
Polo et Yolande. Marguerite, Joseph, Geoffroy et Béatrice. Thérèse et Marc-Antoine. Marie-Madeleine, Georges et ses enfants, Jackie, Jean-Pierre, Marthe. Et Benoît, fils de Marie-Madeleine et de Georges. En 1954, lors de notre deuxième congé d'Afrique, un extrait de la vie famille. Papa, très handicapé à la suite d'une thrombose, vit sa dernière année. Nos parents, heureux et détendus, entourés de toute l'affection. C'est la période de Pâques et Maurice remplace les cloches. Il cache les œufs. Pour une visite à Bépion, Michel, frère de René, vient chercher nos petits-parents. Accueil chaleureux. Puis, dernier au revoir pour nous deux de papa qui nous quittera peu après notre tour en Afrique. Marguerite ensuite va le rejoindre. Maman la suit, puis Maurice. La famille se retrouve à l'initiative de Françoise, fille de Julien et de son mari Michel Vandenbosch. Par après, plusieurs vont rejoindre ceux qui nous avaient déjà quittés, Julien, Denise, Marie-Madeleine et Thérèse. Eux aussi laissent des braises d'amour réciproque, braises brûlant plus d'un au cœur. Mais le vent de notre prochain départ se lève, il ravive déjà les flammes de nos foyers, flammes qui seront plus lumineuses que jamais. La génération s'évanouit dans l'espérance de se retrouver avec nos parents, tous, entourés de l'amour infini, là où le temps n'existe plus.